Yo les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Ghost, aujourd'hui on va faire la mission du 26 juillet 1944, du coup juste après Opération Cobra. Donc là, on va faire Bastion. 26 juillet, nous sommes cachés dans une ferme à l'extérieur de Marigny. Je ferme les yeux et je pense à Hazel, mais je finis par faire encore le même rêve. C'est qui Hazel? Un vétéran, bien sûr. Hop. Je sais pas si j'ai déjà fait cette mission en vidéo, mais je ne crois pas. En tout cas, merci beaucoup. On a dépassé la barre des 280 abonnés. Objectif 290, puis peut-être les 300 un jour avant 2025. Je kifferais, ouais. Si je tryhard comme ça. En tout cas, pendant les vacances, vous serez bien. Je pourrais peut-être même faire du The Forest. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'augmente un peu le son. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis... ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Ah, tu sais, moi je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve? Ou pas? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. J'essaye! Oh, c'est lui. Ah. Oh non. Non, ça me fait de la peine. Tu vas bien? Je suis désolé, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais. Je pense que lui, il a fait la Première Guerre mondiale, du coup. Maintenant, après, on sait pas. Que je dois satisfaire, c'est Pearson. À couvert, vite. C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de question. Oh, l'avion. J'ai une question. Garde-la, Stiles. Ça te prend un bon point. Allez. L'avion fait peur. Chouchou. Ah oui, ça c'est incroyable, vous allez voir. Hop là. Emparez-vous de cette maison. On y va. De coup. Daniel, plante-toi. Voilà. Là, il y en a un là. Je l'ai eu. Ok, j'ai deux balles. Aïe! Ah là là. Vous entendez?
Comme ça. Par ici ! Là-bas, là. Ça va aller ! Toute la rue est bouclée ! Il nous faut des fumigènes ! Accroche-toi, l'ami ! Cette voiture va exploser. Et il survit. Oh, vas-y, passe. Elle est où cette fumigène ? Oh ouais, j'aime bien ça. Non. Oh bah alors. Je suis prêt. Voilà. Ah bah oui. Aïe. Oh merde, ça a explosé. Normalement je devais prendre la mitrailleuse. Oh, je peux plus rien prendre. Mais... Vas-y, vu que j'ai pas la mitrailleuse là. Peu. Non, je pensais que ça passerait. Personne ne bougerait. Ils sont venus dans la
va t'en tirer. Au premier. Allez, sors-moi de là. Accroche-toi, l'ami. J'ai besoin d'aide. Vas-y, donne un peu, là. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait là. Il est invincible ou quoi? Ah mais vas-y. Viens là, viens là. Au premier. Accroche-toi, l'ami. Voilà par ici. Quoi? Mais... Bon, pas le temps de sauver. Voilà. Au premier. En voilà par ici. Merci. Pas mourir. Ah ouais, lui il est bien en fait. Sergent, entraînez-moi. Ça va, il y en a pas beaucoup. Peut-être un peu en fait. Pourquoi il tisse ? Ouais, let's go. Hein ? D'accord ! Ils sont passés où? Ils ont dû fuir en nous entendant arriver. Les Boches ont laissé le titrement. Ravitaillez-vous avant qu'on aille voir dans le clocher. Zeus, pourquoi les Juifs vont pas à l'église? Nous, on va à la synagogue. Quoi? Tu sais quoi? Laisse tomber, mec. Non. Oh. Merde. Vite, la cible. Ah voilà, toujours plus. J'ai besoin d'aide!
quoi, mais... J'en ai marre. Voilà. Quoi, mais... J'en ai marre. Voilà. C'est un fou, lui. Ah, mais... Oh là 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 là. Voilà, let's go. Voilà, je suis à mon prime. Pas du tout, mais c'est pas grave. Je voulais juste lance-flamme. Je suis pareil, on va recommencer, voilà, hop.
ici! Au cas où. C'est un peu plus stylé. Vérifie cette porte. Je me dirige vers la porte. Bon Shabbat, professeur. Justin, Dayalo, à l'assaut de ces canons. Oui, sergent. Daniel, Stiles, vous les protégerez du feu. Enfin, on a réussi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. Ne fais pas, je te couvre. T'as intérêt. Okay. Allez. Je grimpe à l'échelle. J'espère que personne n'a le vertige. Ça changerait quelque chose ? Non. Hop là. Ennemi, premier étage. Tu l'as eu. Dégage dans le passage. Alors, je le vois. Ouais, voilà, let's go. Oh non, il a pas brûlé. Je suis tout seul en sniper là. Ah non. Il se rapproche des canons anti-aériens. Vache sur les toits. Faut pas leur céder les positions à hauteur. Par derrière.
Je suis là. Accroche-toi. Petite jeune. Oh là là. Punaise. Je revoulais mon pistolet que j'ai pris contre le sniper. Non, non. Non. Mon pistolet, non. Yeah. Il est tombé. Merde. Karma, ça c'est... Aidez-moi. Vite. Ah ouais, il était comme ça. Quoi? Non, c'est de la triche. Quoi maintenant? J'ai pas le temps. Je tryhard. Faut vraiment que je l'apprenne. Mais non! Ok. Oh là là. Il t'attend. Ah, merde. Allez, saute. On y est prêt. Quoi, il a spawn. J'ai des ailes dans le dos, soldat. Non, sergent. C'est parce que je suis pas ton putain d'ange gardien! Oh, nom de Dieu! Je viens juste de perdre deux bons soldats! On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons! Allez! Je vois pas Gisman! Bordel! Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré! La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position! Ils veulent pas faire... Oh. Oh bah j'en ai deux. Les boches vont tout donner pour prendre notre position. Repoussez-les avec ce lance-là. Entendu. Oh là 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 là. Je vois pas Gisman. Bordel. Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Ils ne peuvent pas passer ici. Les grenades dans la mer, c'est fort. Ils quittent leur abri. Prenez votre position. Repoussez-les avec ce lance-flamme. Entendu. Vas-y, balance. Voilà pour toi. Ils prennent l'escalier d'assaut. Lancez le fusil. Juste devant nous. Sous la bombe. Oui, c'est ça.
là. Non. Ah. Où ça? Fumigène. Retenez jusqu'à ce que le P-47 arrive. Tenez votre position. Les P-47 arrivent. Oh là, oh non, c'est bon. C'était fait exprès. Pearson? Pearson! Sussman! Ça va. Bien joué, les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ces fumiers sont enfuis. Ça, c'était du beau boulot, soldat. Ils sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent? Est-ce que vous vous trompiez sur eux? On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de deux. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Nous avons réussi à prendre Marigny. Bon. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance. Mais on est plus que jamais dans le collimateur de Pearson. Je sens qu'on n'a pas fini d'en baver. Bon bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être faire vite fait la deuxième vidéo. En tout cas, je suis content, j'ai fait plus de 1000 vues. Comparé à d'habitude, et la prochaine fois on fera cette mission SOE. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, salut, c'était Ghost.